Alors, je mets ce câble avec ça. Après, je connecte les deux bidules à côté. Ensuite, il faut que je branche la trifougloze asynchrone. Voilà qui est fait. Est-ce qu'on a la connexion avec le satellite? Oui, les USA sont là aussi. L'Alaska, c'est bien. J'ai pas trop le fond qui brille. Bon, ben, je crois qu'on peut envoyer la purée parce que ce soir, ça va être du gros, de l'énorme. Bienvenue à toi, internaute. Aujourd'hui, on a du gros matos, on a plein de thunes. Il va y avoir des pom-pom girls, des feux d'artifice, plein de surprises, des lots à ne pas gagner. Et en musique d'intro, on a cette intro inoubliable de Sonic. Un passage extravagant dans la veille du hérisson, une fois qu'il est passé en 3D, d'ailleurs, si on se rappelle bien. Et j'ai pas pu résister de m'en servir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un stream sur une early access, comme on dit couramment dans le langage. Et on va mettre nos pattes sur un shmup. Comment ça, je ne suis pas surprenant? Bah oui, ce sont des choses qui arrivent. Avant de mettre les pattes sur ce shmup, il faut déjà que je case mon sponsor, c'est super important. Donc, action. Voilà. Faut que je dise ça, vraiment. Faut vraiment que je dise ça. Non, non, ça va pas être possible. What the fuck? Non, je ne dirais pas ça. Non, non, je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, alors, j'ai un petit problème avec OBS, parce qu'un stream qui commencerait sans fail, c'est un peu bizarre. Il se trouve que... J'ai peut-être voulu en faire un poil trop. Non, c'est bon, ça marche. Ok, c'est parti. 3, 4... Les carottes, c'est mes potes. Les carottes, c'est pas pour la compote. Les carottes, c'est super bon et j'ai toujours raison. Wouh! Merci à mon sponsor qui m'a indiqué au passage que quand même ça rendait aimable et que ce serait peut-être pas mal pour moi. Surtout que ce soir, on va se fighter dans l'espace à base de boulettes, bien entendu, vu que c'est un espèce de... Alors, prétentieusement, l'éditeur a dit, on a fait un RPG M-Up. Un RPG M-Up. Donc voyons voir ce que donne cette Early Access de Cosmonator qui a tendance à planter au lancement quand j'enregistre d'ailleurs. C'est bizarre. Quand j'enregistre, hein, je précise, le jeu est très bien programmé. C'est uniquement qu'il y a un petit problème de DirectX, on va dire, ou une connerie dans le genre. Feu flamme en avant, Goldorak. Elles ont l'air bonnes ces carottes. Tu vois? Non, non, non. Si je gagne, ok, d'accord. Uniquement si je gagne. C'est un poil triste. Donc, nous revoilà sur Cosmonator. Alors, le principe, c'est de vous faire un shoot, mais un shoot avec de la grosse rejouabilité, c'est-à-dire la partie un petit peu RPG qu'on va greffer dessus.
pour pouvoir créer votre vaisseau à votre image et faire l'arme de destruction massive rêvée pour semer chaos, désolation, et vous avez tous les mots et tous les autres objectifs derrière qui viennent. Et donc régner comme maître unique de l'univers. Eh oui. Est-ce que la mission est réussie? Alors j'ai pas mal joué à ce jeu, j'ai avancé un petit peu. Et on en reparlera à la fin du stream parce que je préfère mieux quand même vous faire voir le jeu, que vous forgiez votre propre opinion, bien que j'ai deux, trois choses à dire au passage aussi dessus. Et puis, ouais, on verra au fur et à mesure ce qu'il est possible d'en retirer. Est-ce que je suis totalement convaincu par ce titre? Je peux le dire d'emblée, ça c'est non, parce qu'on ne la fait pas un vieux loup de mer, et très franchement, j'en ai vu d'autres, avec d'autres couleurs d'ailleurs. Je vais lui monter un petit peu son son, histoire que... Voilà, ça devrait être propre là. Et je vais croiser les fesses pour pas qu'il plante quand je change de fenêtre. Wouh! Miracle là. Ok, ça roule. On s'engage dans l'aventure. Je refais un petit récap rapide de comment se présente l'engin sorti de la partie play. Vous avez surtout une partie gauntlet, non shop. Gauntlet, c'est des challenges. Shop qui va vous permettre d'acheter les différents upgrades que vous allez pouvoir acquérir en récupérant le cash derrière les vaisseaux détruits et des très très rares gemmes qui sont nécessaires pour certains upgrades. Les upgrades se divisent en différents niveaux d'upgrade, niveau 1, niveau 2. Et à ces upgrades, on peut rajouter des sorts. Donc c'est là que les choses permettent un peu pompeusement de dire que c'est du RPG em up. Donc ces sorts, c'est rien d'autre que vos attaques ultimes qu'on a avec la méga bombe dans un shoot classique et qui vous permettront de vous sortir de traquenards un petit peu délicats parfois. Sans plus attendre, on va se faire un petit premier run, sachant que j'ai terminé la première map avec toutes les destinations possibles et que là, il me fout sur une deuxième et déjà j'ai une critique à faire. Je ne peux pas retourner à la première. Si je veux farmer, engraisser mon score et mes gemmes de manière outrancière parce que j'ai noir de temps à faire et que ça ne me dérange pas de répéter les mêmes tableaux en permanence, c'est un peu con quand même de ne pas pouvoir revenir au premier chapitre. Enfin, ça, c'est mon commentaire perso. Notez que la première fois que vous faites un run, on vous demande de survivre, hein, tout simplement. On voit, c'est ceux qui ne sont pas encore cerclés. La fois suivante où vous y revenez, on va vous donner une mission différente. Là, par exemple, si vous lisez, mon impératif, c'est de démonter 100% des ennemis qui vont se présenter devant moi. D'accord? Donc, oui, il y a de la rejouabilité, mais je mettrai un bémol en disant que ça reste sur le même tableau. Et quand vous allez voir les tableaux comme ils sont chargés, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exploit, hein, soyons clairs. Alors... En avant pour la mine, je ne l'ai pas fait celui-là. Concernant les armes, j'ai enfin trouvé les boutons sur la manette, vu qu'ils étaient expliqués en clavier, en anglais. Et que donc, pour les retrouver, malgré qu'il n'y ait pas tant de boutons que ça, ça a été une sinécure. Alors j'ai un bouton pour sélectionner le bonus que je vais activer, c'est le Y. Et j'ai un bouton pour le lancer, c'est... Oh, bah, je parle en même temps. Oui, c'est un petit peu compliqué depuis le dernier stream, vous avez remarqué. Vous n'avez pas faux. Et donc un second bouton pour lancer votre arme bonus, votre sort comme ils disent. Et aller semer la destruction massive dans le cosmos, 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 cosmos. Toujours les tours à la fin, c'est super important, sinon vous n'avez aucune crédibilité pour être dans la thème spatiale là. Bon pareil, je vais jouer pas bien, juste parce que je suis en live. Non. Je vais pas vous faire ça, je suis trop cool. J'ai une coolitude aujourd'hui. Un peu plus grosse que lui là. Hey gros, tu veux bien crever? Ce serait mouse. Ouh, j'ai fait de merde là. Bon niveau graphique, ça reste que ça reste. Hein. C'est du bon gros pixel. Cherchez pas des œuvres d'art du Vasarely ou du Léonard de Vinci. Vous n'en trouverez pas. Au programme. Je rappelle toutefois que le jeu est en early access, donc ça veut dire que le jeu n'est pas sous sa forme définitive. Alors tout est possible, hein, comme on dit. Les gens se mouillent pas trop à ce niveau-là. C'est genre oui, bah il est comme ça, mais on va peut-être tout changer. Alors il est comme ça, mais en fait non, on va juste changer la musique. C'est toujours un petit peu la loterie, c'est early access, donc moi je ne peux pas vous
poussé plus particulièrement à soutenir ce jeu pour l'instant. Parce que dans l'état, vous allez vite voir pourquoi il ne me convient pas vraiment et pourquoi il y a un énorme problème concernant ses prétentions. Parce que, en fait, c'est rien d'autre que du terme marketing, vous allez vite comprendre. Mais bon, on y revient un peu plus tard, ça. Pour l'instant, on est là pour se faire plaisir, se faire du bien, et donc anéantir toute forme vivante dans le cosmos. Non, je n'ai pas soupiré. C'était un mouvement d'expansion et de décontraction. Je rattrape comme je peux. Bon, niveau musical, ouais, bon, on va pas s'étendre dessus. On va dire que c'est en chantier, hein, tout simplement. J'ai passé un seul quart d'heure, là, j'ai fait une énorme connerie. C'est ma faute. Quel idiot. J'étais en train de réfléchir à autre chose et j'ai pas trop vu venir le truc. On y retourne, on n'est pas du genre à se laisser démonter, surtout par des petits aliens comme ça qui se prennent un peu pour des IVA d'espace, quoi. La Kaira, voilà, c'est ça. C'est vrai que je devrais faire mes streams adaptés pour des audiences ciblées parfois. Mais bon, je suis pas pour le ciblage des gens. Moi, j'aime bien les gens dans leur ensemble. On va pas commencer à s'emmerder en disant toi, t'es un streamer du 15e, toi, t'es un streamer de la Tessie. Surtout, vous mélangez pas, les gars. Vous aimez les mêmes choses, mais ce serait con que vous vous entendiez, quoi. Eh oui. Car dans l'espace, on explose tous de la même manière, quelle que soit la couleur. Ce sera le dicton de mes streams de schmuck, tiens. Il y a plein de phrases à faire comme ça, en fait, que je réfléchisse. Mais vu que je vais passer dans un passage chiant, il faudrait que j'arrête de réfléchir, que je joue, ça serait peut-être mieux, non ? Enfin, c'est une idée. Bon, moi, je propose, hein, après, vous faites comme vous voulez. Tiens, sale Mordak. Oh putain, c'est ce qu'il fallait pas faire. Oh, le langage, monsieur ! Il y a des enfants, là, qui écoutent, hein ? On va se calmer un petit peu. C'est pas parce qu'on est en pleine décontraction que... Je m'auto-engueule, parce que c'est... Parfois, quand je réécoute les streams, parce qu'il faut vérifier, parce qu'il y en a certains où vous avez dit de tellement énormes conneries qu'à la limite, ils sont pas publiables. Je crois que ça m'est pas encore arrivé, on a de la chance. Mais c'est pas faute d'y aller sur de la connerie world. Je crois que je vais commencer à m'équiper en power shot et compagnie, là, parce que ça va commencer à être ma fête. Alors, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y avait une petite jauge à droite. Non, ce n'est pas une jauge de la jungle. Je ne la ferai pas aujourd'hui, on n'est pas dimanche. Je vois qu'il y en a deux qui suivent au fond, c'est bien. Donc sur la droite, vous avez les fameux sorts que vous pouvez activer à volonté quand vous sentez la panique arriver. Calme et sérénité. Toujours. Je vais prendre quoi comme ça? Tiens, on va prendre la Spirit Replica. Donc celui-là, il dédouble votre vaisseau. C'est pas mal quand il y a vraiment beaucoup de monde à l'écran, parce que ça peut en occuper certains. À défaut de semer une réelle panique chez l'ennemi. Quand tu veux, Mouchach. Alors oui, il y a des passages un peu à vide comme ça, c'est pas particulièrement pénible, mais ça fait pas très pro, quoi. Parce qu'on n'est pas en mode loading, on n'est pas en mode... Hop, vas-y, démonte-moi ça, moi je m'occupe du reste. Hop, 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 hop. Donc vous voyez que le petit clone, là, il est bien pratique quand même, parce qu'il m'a sauvé la mise avec l'autre babu, là, qui est en train de me faire la fête, et commencer à se comporter d'une manière peu recommandable pour un gentleman. Alors vous avez remarqué que les petits vaisseaux, quand ils sortent de l'écran, ils sont assez sympas pour se rappeler de vous et vous dire « Tiens, je me suis barré de l'écran, mais rappelle-toi de moi, regarde, tiens, une boulette, bim !» On va creuser une brèche déjà, et après, j'essaierai de nettoyer tout ce qu'il y a sur l'autre côté. On va
un seul poteau. Parce que voilà, si on se laisse déborder, ça va être la fameuse feta. La fameuse feta, et oui, vous en avez tous. Avec cet élastique si tragique qui parfois fait des marques sur le corps, la fête aussi, donc on l'a tous reconnu. Missile turret Suède, alors vas-y, exprime-toi. Parce que je n'ai pas fait ce niveau, hein, donc là il a juste la gentillesse de me dire hey, si tu prends des tirs, ce sont des tourelles. Bien, je vais apprendre un nouveau mot. Ah, celui-là il est déjà plus gros. Ouh, je t'avais pas vu toi. Je crois que je vais te laisser un clone à bouffer en pitonce. Ah. Un peu tenace, le garçon. On se calme. Bon, vous voyez que niveau shoot, c'est pas du grand shmup. Hein. Si vous avez regardé mes streams, concernant en particulier la collection des shoots dans Big Gamowski, on est déjà passé par des choses un peu plus spectaculaires et qui ont plus de 30 ans. Donc, pas d'extase particulière. Un peu pénible. Hein. Ah, mais il est pas fini, lui. Donc le truc de ce jeu, qui n'est pas monstrueux niveau boulette, quoi, c'est que, en fait, va falloir donner un ordre de priorité plutôt que de se faufiler dans les boulettes. Ce qui fait de lui un jeu complètement casual, hein. Je suis désolé pour le terme, c'est pas péjoratif. C'est que c'est un jeu, ouais, vous sentez que c'est le truc fait pour jouer pépère dans le canap, sans que ce soit trop dur, le jeu vous laisse bien gagner pour progresser. Du coup, à la fin d'une partie, vous avez aucun sentiment de satisfaction réelle d'avoir accompli quelque chose proche d'une, entre guillemets, performance. C'est ce qui le rapproche totalement de l'autre jeu que vous connaissez peut-être, et qui a un shoot total casual, sorti sur toutes les plateformes, donc c'est un indice, hein. Quand en général un jeu, on vous l'édite sur plein de plateformes, c'est que il y a baleine sous gravillon, c'est pas qu'il est supra bon, enfin pas toujours, et c'est vraiment le cas de cet autre jeu qui s'appelle Skyforce, je sais pas si vous le connaissez, qui est un, je l'ai testé, alors vous regarderez le stream dans les archives sur YouTube, c'est un jeu, il est intéressant, mais en fait on vous fait faire des répétitions de tableaux, pour faire des objectifs particuliers qui s'avèrent en fait au fur et à mesure totalement chiant et inintéressant quoi. Donc c'est Skyforce, si on vous le propose en promo, attendez qu'il coûte moins d'un euro, ça vaut pas plus ce truc là quoi, et ça n'a pas à s'appeler un shmup réellement si on est puriste. Cosmonator, c'est la même chose que Skyforce mais version spatiale, donc pour l'instant moi je prends mes plus grandes précautions et le plus gros recul possible avec ce titre. Parce qu'il y a des idées, mais ces idées, je suis désolé, ils ont changé les termes, mais c'est exactement ce qu'on a déjà vu ailleurs. Donc, voilà, elle est où la nouveauté? On cherche. Ah, on me signale qu'il faut que je change de sponsor. Avec la sauce soja Kikkoman, tous vos plats seront meilleurs, même les plats européens. La sauce soja Kikkoman. Je vais gagner des millions de dollars avec ce truc. On va aller voir dans le shop si j'ai un peu d'armement à récupérer, parce que là, je commence à me prendre un peu des dérouillés, malgré que je dise que ce shoot est facile. Mais je vous garantis qu'il est... faudra que vous l'essayiez. Le truc du shoot-em-up, de toute façon, c'est... le jeu arrive à être motivant par lui-même, pour vous donner envie d'aller voir plus loin, sans vous faire des challenges autres que survivre. On est bien d'accord. Donc là, le truc s'invente plein de sous-challenges, parce qu'en fait, lui est un jeu complètement chiant. Boring of the Death, comme on dit couramment, quoi. Alors, Flash, c'était quoi? C'est un truc tout con, ça, c'est nul. Je vais augmenter mes... c'est quoi, ça? Non. Power Shot. Le Spirit Replica. Voilà. Pouf. Prends mon argent. Prends. Hop. Et après, qu'est-ce que je pourrais upgrade?
L'armure, ah oui, je veux bien upgrade mon armure. Mon shield. Pouf, 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 pouf. Oui, ça pourrait être pas mal, ça. Yes, madame. Chaîne missile, c'est quoi? Ouais, non, on s'en fout. De toute façon, je peux pas les prendre. Tracking system. C'est tout pourri, ton truc. Tu te gardes. Alors, shot spread. Allons-y, allons-y. Ça va, on voit bien mon sponsor, il n'y a pas besoin que je change la lumière. Parce que je peux le faire, hein, regardez. Eh oui, on a des gros moyens maintenant à la régie. Hop, trêve de conneries, on y retourne. Si vous êtes sage, après je vous fais voir le mode Gauntlet, qui est donc un challenge. C'est des vagues infinies de bestioles, juste à ce qu'on crève, pour essayer de farmer du poing et des gemmes. Eh ben, nous sommes partis dans la ceinture d'astéroïdes de la planète Morteux. Que nous appellerions Mortadellas? Non, même pas. On peut pas lui donner un petit nom. Alors moi, il y a un gros espoir que je fournis derrière ce titre, malgré tout. C'est qu'il abandonne un petit peu ce côté péteux de vous filer des objectifs comme des badges à déverrouiller sur vos consoles débiles. Et oui, je l'ai dit, j'aime pas les consoles en ce moment, j'en profite. Et donc, plutôt que de faire des succès qui n'intéressent personne, il serait peut-être intéressant que ces gens se soucient de la génération dynamique des niveaux. Parce que là, ça serait pas mal. Parce que mine de rien, leur jeu, il est jouable. Mine de rien, leurs patterns, elles ont moyen de... Ah oui, faut pas toucher ça. Ok, je note. Non, je ne toucherai pas. Leurs patterns sont pas minables. Il y a moyen de se faire des bons slaloms à des moments si on se laisse envahir comme je suis en train de faire là. Donc, oui, une génération dynamique du niveau où, j'ai plus le terme en fait. Mais en fait, vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc, prendre une matrice de jeu avec des objectifs qui pourraient être communs, mais que le jeu, comme dans Diablo, se génère de manière aléatoire à chaque lancement, sur ce tableau en particulier, pour essayer d'insuffler un petit peu de fun. C'est une idée, par exemple, à développer. Enfin, moi, je dis ça, moi, je dis rien. Salut. Pardon. J'ai bientôt crevé, je crois. Il est coriace, lui, hein. Pousse-toi, toi. Non, je n'utiliserai pas mes bonus. Je suis très fier de mes bonus. Ils ont été offerts avec amour. J'ai mis du temps à les obtenir. Je ne vais pas les gâcher sur toi. Tu n'es qu'un petit vaisseau, après tout. Un petit vaisseau. Un vaisseau-né. Fou, tenace. Alors ça, pareil, c'est un peu lourd, la résistance volontaire. C'est pour vous faire refaire le niveau et revenir jusqu'à ce que vous soyez assez costaud en tir pour pouvoir le fracasser. C'est exactement le principe de Skyforce. Je suis désolé, j'y reviens. Donc, à ce niveau-là, je suis très très déçu. Est-ce que le jeu tient les engagements de ce qu'il annonce quand il se présente? Relativement oui. Mais sorti de ça, vous changez les termes, vous retombez sur un Skyforce classique et bananier. Oui, bananier, j'insiste. Alors, on me souffle dans l'oreillette que ce serait bien que je fasse voir des autres super pouvoirs. Je vais réunir mon cerveau et après une discussion intense, voir avec lui si je peux vous faire voir ceci. On va déjà changer d'arme. On va passer sur les super pruneaux de luxe. Débarrasse du pénible en premier. Parce qu'en fait, le truc est d'une. En fait, ce shoot s'aborde avec une logique avant des réflexes. C'est ça qui gâche totalement le truc. C'est qu'on est là à utiliser sa petite logique pratique et bon marché. Au lieu de s'éclater à faire des slaloms improbables avec son petit cockpit de 5 pixels entre des matrices de boulettes complètement délirantes. Ben, je vais pouvoir vous faire voir ma bombasse. Donc là, je suis en super tir, même si c'est pas flagrant. Hein. Donc on voit que le boulot est pas encore totalement fini, je pense. J'ai essayé de pas être trop méchant quand même avec ce jeu, parce que c'est vrai que vu que le boulot est pas terminé,
ça laisse le temps à l'équipe qui développe ça de changer son fusil d'épaule et de prendre un peu de raison pour faire d'un titre qui va sortir et être moyen dans le global, bah, un titre qui va sortir et qui va peut-être roxer. Libre à eux. Oui, sur René Clément, on dit qu'il y a toujours un fond de rhume au moins. Donc ça, c'est... Oui, c'est... ça fait style, mais ça n'impressionne personne, quoi. On se balade comme sur un court de tennis. Ah, bah voilà une super gemme de la mort. Alors, ce qui est rigolo, c'est que sur les fins de niveau, faut attendre que tous les objets aient disparu pour pouvoir déclarer le niveau terminé. Pars-toi, sale tir, sinon il va me faire rester une demi-journée. Bon, j'en profite pour changer à nouveau de sponsor. Alors, les autres... Faut vraiment que je dise ça. Non, mais là, ça, non, ça va pas être possible, ça. Non, 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 non. Non, non, je peux pas. Je vais avoir le produit. Oui, ok. Voilà. Non, je ne dirai pas ça. Non. Sans façon. Bah, tu repars avec ton chèque. Non, non, non. Hop. Je passe au dernier sponsor quand même, qui est le meilleur, puisqu'on pouvait pas se quitter sur un stream de jeu de boulettes avec le meilleur de tous les sponsors du monde, qui n'est autre que Bonduel et sa boîte de petits pois. Des boulettes, des petits pois, que du bonheur. Allez, zou, on y retourne un dernier coup. Je vais vous faire voir le mode... Le mode où vous mourrez forcément à la fin, donc le mode Gauntlet. Je vais m'équiper un petit peu si on m'y autorise. Life Capacity. Ouais, allez, ça peut être. Allez, tiens. Ça en fera plus pour plus tard. On se fait un petit run Gauntlet. Donc. Rush infini d'ennemis jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie. Idéal pour farmer et de la monnaie du jeu et des gemmes à la con, là. Maintenant, il y a des passages, je pense qu'il va être méchant avec moi au bout d'un moment. Ah, procédural, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Merci. Donc c'est vrai que si on pouvait me confirmer que le jeu a une bonne dose de procédural dans la génération des niveaux, ça me rassurerait un poil, parce que moi, très, très honnêtement, j'ai très très peur de m'y ennuyer profondément. Oui, c'est exactement la même chose que faire, mais c'est plus correct. La variété, pour l'instant, n'est pas impressionnante. Là, après de nombreuses parties, le seul truc original sur lequel je suis tombé, c'est un boss. Un boss qui était assez marrant d'ailleurs, une espèce de mini mille pattes. Mais qui avait rien d'impressionnant non plus dans ses patterns. Il était relativement soft. Pour l'instant, c'est de la balade. Hein. Alors là, je ralentis. Qui pour l'instant n'est pas la meilleure arme pour ce passage. Il faudrait que je me cale sur mon autre. Sur mes ghosts. Là, tout de suite, beaucoup mieux. Non, je n'ai pas soupiré, c'était encore un étirement. Arrêtez de voir le mal partout, vous êtes une médisance, c'est pire que moi. Prenez des carottes. Oh, deux tirs par derrière. Vous voilà gratifié de... grand honneur. Hein.
Comme papa dans mon monde, comme dit l'expression populaire. Alors faut faire gaffe quand même dans les passages où vous faites saturer par la quantité de bestioles ou débris. Parce que mine de rien, ils ont l'air de pas grand chose là, ces espèces de merdouilles flottantes assez inoffensives. Il faut bien vous dire que, à la moindre occasion, dès que l'écran sera encombré, vous allez sérieusement le regretter, puisque si vous n'avez pas pris soin de les dégager, ça sera autant d'obstacles qui seront entre vos tirs et les bestioles que vous essayez de dégommer. Donc il faut songer quand même à faire vraiment du gros nettoyage. En fait, c'est un simulateur fan de ménage, hein, ce schmuck. Plus qu'un schmuck. Salut, je suis radioactif. Je ne sais pas ce que tu veux signifier, mais on verra bien. Je sens une bonne grosse envie de me faire mourir. Ah, d'accord, c'est des. On va tous les faire péter tout de suite. Ça m'évitera d'avoir la surprise qui fait qu'il y aura des bestioles à l'écran. Bon, tranquille, paisible. Oui, j'ai eu mal là. Je vais prendre cher. Ouais, ça va pas trier. Un petit peu à l'abri parce que c'est... sur ce passage-là, j'ai mal géré. Alors très mal. Bon, pas un petit bonus, un bisou. Rien. Bon, ok. Ça tombe bien, j'ai plus d'énergie. Mais on va s'en occuper quand même. Bien sûr. Désolé, c'est toujours pas un manique, hein, même si ça donne l'impression qu'il y a une case LED, ok. Merde. Oh, c'est dommage, sur le boss. Donc voilà pour cette Early Access de Cosmonator. Moi, dans l'état, je vois uniquement, je le dis sans méchanceté, hein, sans arrière-pensée, je vois uniquement un clone de Skyforce, c'est-à-dire un shmup pour casual, qui a une bonne rejouabilité si on aime obtenir des trophées ou des achievements. Mais qui est totalement inintéressant si on aime les shmups pour ce qu'ils sont à la base. Je vous restreamerai probablement ce titre au fil de son évolution pour voir s'il s'oriente courageusement sur la bonne voie ou s'il se vautre dans une complaisance qui ne me laissera pas trop de doute quant à son succès derrière, qui sera donc d'estime, je pense. Bon courage à toi, Cosmonator. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie d'avoir suivi le stream. Je vous rappelle que la chaîne, vous pouvez lui filer un petit coup de main en mettant des likes et en vous abonnant, parce que je vais avoir besoin de 2-3 outils et il faut que je passe un certain cap d'abonnés pour y avoir accès. Donc, mettez un petit like, partagez la chaîne, faites-la connaître. Ça vous coûte rien. Moi, ça m'arrange un petit peu et ça me donnera plus d'outils pour faire
Mieux que ce chaud à l'américaine que j'ai bricolé avec des boîtes de conserve, une lampe de poche. Quoi d'autre? Un lecteur MP3. Voilà. À très bientôt. The Big Gamowski est avec vous. Forever.